J'espère que vous allez bien. Merci de vous une nouvelle vidéo d'analyse et de pronostic. Bien sûr, le week-end, qui me l'a dans une vidéo spéciale Ligue 1. 8e journée de la Ligue 1. Qu'un match vendredi, deux matchs samedi ou sept matchs le dimanche. Le programme, il est pas mal. Qu'un des matchs plus ou moins intéressants. Les matchs, ils sont assez difficiles. Ils sont très très difficiles. Ou tu as le choix d'aller les rédits chauffants, attaque des pronostics, chouïa sahab, ou chouïa risqué. Ou les kin, ils sont bien analysés. Tu payes bien sûr l'analyse, tu payes bien sûr la logique, ou espérons un dirou imperfect, ou le plus ou moins un taux de réussite, les comptes à la SF. Bon, pour les choix, les charrettes, les comptes, charrettes 6 matchs, charrettes Rennes contre Angers, Lorient, Marseille, PSG, Dijon, Lens, Nantes, Metz, Saint-Etienne, ou bien sûr Nice. Contre Lille. Un match maintenant, Lorient contre Marseille. Une équipe de Marseille, Lille, Halou, Ahoual. Le dernier match de Lyon, Rho contre Bordeaux, la Ligue 1. Walekin, Khsro, la semaine contre Olympiakos, 1-0. Tcheltreka, Tenutsen. Quand j'ai atteint comme un pronostic à l'aide de match d'un au troll, bien sûr. Lorient, elle reste sur une victoire, la Ligue 1 contre Reims. Marseille, classé 6e. Et il reste sur 4 matchs sans défaite, la Ligue 1. Ou les qui feront 3 matchs nuls ou une victoire, Ligue des Comptes contre Bordeaux, que nous ferons un très bon match. Ou les qui nous la semaine, la Champions League, les beaux vraiment, Narsen Bsef. Lorient reste sur une victoire contre Reims. 3-1, une petite surprise, il y a la journée de l'IFSH. Bon, qui me quitte chauffant, un match. Fait l'écart, il y a l'avantage de Marseille, surtout après la défaite la Champions League. Je ne vois pas perdre à domicile le match là où il y a d'autres matchs la semaine prochaine la Champions League. Donc, double chance de Marseille, je vais lire logique. Voilà, je ne vois pas Lorient deuxième à la surprise, même le match là. Donc, double chance de Marseille. Ou bien sûr, plus de 1 but le match, cote 1,53, et d'avoir le deuxième choix, Diane. En deuxième, le troisième match. Troisième match, ou PSG contre Dijon. PSG, je finis la Champions League, sera le dernier match d'hier contre Manchester United à domicile, et nous serons 2-1 pour l'Akhar. La Ligue 1, a déjà eu le niveau d'hier, mais donc les deux défaites, les deux premières journées, ça fait deux chiffres tout le rythme d'hier. Deux cartons, les wins de l'homme, deux qui écrasent les équipes de la Ligue 1. Dernier match contre Nîmes 4-0, après maintenant contre Angers 6-1, après maintenant Reims 2-0. Donc, dès que le rythme de la Ligue 1, qui m'a fait contre Manchester United la Champions League, mais la bouche vraiment bien. Yani, pour chacun de l'équipe au complet, voilà qui met la bouche bien, des fautes défensives pour Dijon. Dijon, bien sûr, qui me quitte chauffant, il y a la dernière du classement. Mais c'est le match, c'est un match, fait la Ligue 1. Ce sont 5 matchs, ou c'est 2 matchs. Le match est là, bien sûr, moi, le PSG, je me quitte un match, la Champions League, que j'ai la Ligue 1, que je regarde les équipes. Dijon, il y a le crédit du classement. Quand je chauffe, un PSG, regardez, là, Dijon, et le match est qu'on a fait but, bizarre, plus de 3,5 buts, que je peux lire. Logique, mais sinon, libre les buteurs, Kane, Neymar, cote 1,44, ou bien sûr, Mbappé, Djawa, cote 1,30, yani, logiquement, regarde troll, surtout que Cavani, mais Kane, je fais le match là-dedans. Donc, les deux buteurs, libre les bons, Rakane. 12 le 4e match de Lens contre Nantes, un match assez difficile, où le pronostic là, il est assez difficile. Qui me quitte chauffant, qui a pas mal d'absence côté Lens. Lens, elle reste sur une défaite contre Lille 4-0 la Ligue 1. Nantes, sur une victoire 3-1 à domicile. Et Nantes, yallah, d'être 14 ou yallah, le niveau de yallah. Elle est classée 15e. Ou Lens, qui me quitte chauffant, 5e. Et mais les 5 premières places. Ou Lekin, ou Lekin, ou Lekin. Le match est là, un petit contre la logique. Nantes qui mèche le dernier match contre la bête mzien. Donc pour être le match là, je vois bien confirmer la dernière victoire de l'homme. Ou donc double chance de Nantes, draw or Nantes, cote 1,72. 12 ans, le 5e match de
Le cinquième match, Metz-Saint-Etienne. J'ai le match là-dedans. Il est difficile. J'ai fait un pronostic difficile. Il est contre la logique. Mais en attaquant la lecture des matchs, en attaquant l'analyse des matchs, ou bien sûr, je fais un match contre. Première chose, que je fais bilan, c'est les absences des deux côtés. Soit de Metz, soit de Saint-Etienne. Metz, par rapport à Saint-Etienne, elle est en bonne forme. Les quatre derniers matchs de la Ligue 1, Marseille match, par contre, Saint-Etienne, les quatre derniers matchs seront trois matchs ou un match. La dernière défaite contre Nice, 3-1, contre Lens, 2-0, contre Rennes, 3-0. Qui ont des matchs plus ou moins difficiles. Metz, qui me catchouffe, le dernier match contre Angers, Lorient, Mouim, reste sur quatre match sans défaite. Les face-à-face, Metz, Hassan Saint-Etienne, surtout sur les trois derniers matchs, yani Metz, Kamil Katrafhom, malgré l'analyse, je vois bien Saint-Etienne, Tchaoul, Tchaz ou Djmer le match Adam. Je vois bien, il est bon 9, Mradishibreu, il conseille d'obtenir une nouvelle défaite. Donc, avantage, Saint-Etienne, côte de 1,53, le double chance d'Yalon. Je le vois bien, Aitrol. Je vois vraiment pas Saint-Etienne perdre le match Adam. Mais bien sûr, il a raison. Ça sera une surprise. Ou le dernier match d'Yalon, ou un match d'Yalon, Nice contre Lille. Les deux matchs, les deux équipes plutôt. Yalla, le bout, Lyon, l'Europa League. Nice sera contre Bayer Leverkusen 6-2. Amelie, contre le Hatch 4-1. Sparta Vrak, quand j'ai un joueur carton rouge la première mi-temps, donc ils ont dominé le match. Kimikachufu Lille, elle est en très bonne forme, elle reste sur 4 victoires, elle a enchaîné 4 victoires. Elle a Nantes, elle a Strasbourg, elle a Lens, ou bien sûr Kimikachufu, elle a même Sparta Vrak. Bon, l'état de forme, Lille, il loue là, Nice, il y a la quatrième, Nice la Ligue 1, pas mal, les trois derniers matchs, 2 victoires, un match nul. Lille, حاجة أخرى, Lille, هذا le match هذا اللي لعبات contre Sparta Prague في اليوروبا ليغ, elle a tourné l'effectif, يعني رجعوا pas mal de joueurs اللي تيكونوا تيشولير, donc هذا le match هذا ديال la Ligue 1, غالبا, elle est bon, les joueurs تيشولير, كتبين أن l'entraîneur, il a une très grande importance في هذا العام, la Ligue 1, باغي une des trois premières places ديال la Ligue 1, donc, بين الاناليز اللي عطيتكم بين التوجه ديالي بين لا لوجيك ديالي شنو غادي نعطي دونك ليل بيان سور دوبل شونس و بيان سور نفس البلان ديال لو ماتش اللي عطيت لغان توتال جولز موان دو 5 بوت يعني كوت دو 1.40 علاش موان دو 5 بوت لي دو زيكيب يلا لاعبين في اليوروبا ليغ يعني يلا لعبونا الخميس يكونوا كاين ان بو دو فاتيغ مازال ما وفريش هاد لو ريتم هذا ديال دو ماتش باغ سومان نيس وليل عندهم عاوتاني دي ماتش لا سمين بروشين نيتش في اليوروبا ليغ عندهم دي ديبلاسمون دونك لو ماتش ما غاديش يكون تري اوفير يعني لي دو زيكيب بلا فاتيغ بلا جيستيون ديال ليفيكتيف لو ماتش غالبا ما غاديش يكونوا فيه بيوت بزاف او موان دو 5 بيوت كتبان ليا لوجيك دونك نديرو ان بتي ريكابيتولاتيف على لي شوا اللي عطيتكم عطيتكم غان دوبل شونس او موان دو 4 بيوت اللي بغا يزيد اسوري يدير موان دو 5 بيوت عطيتكم لوريون كونتر مارسي دوبل شونس ديال مارسي او بلوس دو 1 بيوت في لو ماتش كوت دو 1.53 عطيتكم اوفر 3.5 بيوت في البي اس جي ديجون اللي بغا يزيد يلعب لي بيوتور نيمار ولا امبابي غادي ماركيو عطيتكم دوبل شونس ديال نونت عطاتكم دوبل شونس ديال سانتيتيان او بيان سور لو ديرني ماتش عطاتكم دوبل شونس ديال ليل او موان دو 5 بوت في لو ماتش هادو هما لي سي برونوستيك ولا لي سي ماتش اللي بانوا ليا لوجيك كما كتشوفوا ايه صعب عطات دي دوبل شونس اللي صعب ولكن يقدروا يدخلوا كاين دي شونس انهم يدخلوا الا ما دخلوش بيان سور يكون نكون غلطت في الاناليز يكونوا دي سوربريز ولكن انا اللي بان ليا تنعطيه لكم بور لي فرونسي un petit récapitulatif des pronostics proposés dans la vidéo. Premier match
entre Rennes et Angers. Double chance de Rennes et moins de 4 buts dans le match. Deuxième match, Lorient contre Marseille. Double chance Marseille. Marseille au match nul et plus de 1 but dans le match. Troisième match, PSG contre Dijon. Plus de 3,5 buts dans le match. Quatrième match, Nantes contre Lens. Double chance Nantes, cote 1,72. Avant-dernier match, Metz-Saint-Étienne. Double chance Saint-Étienne. Saint-Étienne gagne ou fait match nul. Et le dernier match, double chance Lille. Et moins de 5 buts dans le match. Donc, ce sont 6 pronostics. Un com, c'est-à-dire le pronostic, ce n'est pas un ticket. Déroule l'analyse des com. Retire aux 2 matchs, 3 matchs. Chauffe un chou, mais libère les com. Les com. Ou bien sûr, la bourron. J'espère la famille un maximum de likes, de commentaires pour la motivation, pour le soutien. Khalas diana, huma les likes dielkom, huma les commentaires dielkom, wa dokuma khalas diana, la motivation diana. Bon courage la famille et force à nous.